Mais genre, on se protège et on se retrouve pour l'épisode 2 d'Usine à Craft en compagnie de Thibault le BG13. Yo! Salut. Et bah là, en fait, je suis dans ma pré-nouvelle base qu'on a commencé à faire en live et le problème, bah, c'est que le live a crashé, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, bah voilà. Je fais un épisode, c'est plus simple et ça crache pas. Donc la base, je l'ai commencée, il y a déjà juste la structure, hein. Attends, il faut des vitres et puis une porte d'entrée qui est par là-bas. Donc je suis pas si loin de ça, de ma base d'avant, c'est pour ça que j'ai laissé mon portal gun. Et sinon, j'ai vraiment, vraiment miné comme un gros porc. Alors je vais vous montrer, j'ai pas mal de fer, pas mal de minerais, même Comme un deux gros émeraudes. chien. Alors ça, c'est qu'un coffre, ensuite il y a un autre coffre avec encore plus de ressources. Plus encore un corps qui est complètement vide et tout ça. Donc voilà. Si jamais la stone, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui me l'a offert. Et ensuite, pour la pioche, c'est Loussin qui m'avait offert la pioche. Je ne sais pas pourquoi aussi. Et sinon, il y a pas mal de monde sur le serveur. Donc, Ouais, c'est bon, là, il y a du monde, là. il y avait même du poulet que j'avais laissé cuire. Trop bien. Bon. Est-ce que j'ai du sable? Comment ça en fait, c'est des sels pour faire un géothermal générateur? Mais les géothermal générateurs, on peut les faire avec. Ah non, en fait. What the fuck, la traduction pile vide. C'est pas une pile. Justement, ce. What the fuck. Vive la traduction française de merde. C'est vraiment de la merde, Donc, du coup, on va déjà c'est déplacer chiant. toutes les machines là-bas, comme ça c'est fait. Et je me suis juste fait un Je petit pense qu'on baril en pour a mettre fait. la cobble, enfin. Avant, la cobble était dedans. Maintenant, c'est la dirt. Oh. Faut que tu recommences avec tes blagues des escaliers. Tellement original. Par contre, ce qu'on va faire Que directement, la bah, c'est. grossesse, c'est pire. Exactement. Par contre, mince, c'est vrai. Hospital, À cause de la hospital. mise à jour, ça m'a remis les commandes comme avant. C'est Ah ta non, ça c'est phobie? bon. Yes. Putain, j'arrive pas à récupérer des lave-vaisselle. Faut juste que je regarde un truc. Comment est-ce qu'on fait ce verre? Oh, ouais, bon, ça vaut la peine, mais. Avec le quartz que j'ai, je préfère pas trop le niquer. Ouais, on verra ça plus tard en fait. Mais juste de quoi avoir au moins une porte d'entrée. Ah, puis en fait, faudrait peut-être du charbon. Deux stacks de charbon. C'est sûr que c'est français ce qu'il a dit. Comment on repense son backpack, le blé neveu? J'ai pas tout à fait compris. Je sais pas, Repas. peut-être repas, tu voulais dire. Ah! Je sais pas, repas. Bon. Comment on repense le backpack si c'est les épées? Normalement, c'est ça. Mais après, je sais pas si ça Non, garde mais les c'est. items Non, dedans. non, non, mec. C'est pas ça, c'est pas ça. Reprends ce que tu veux dire. Ah! Mais là, j'ai pas. Je veux pas trop ce que ça veut dire si on veut. Ah oui, comme vous voyez, j'ai une belle petite collection de buissons, donc ça sert pas à grand chose, mais ces buissons, vous voyez justement des trucs qui clignotent dessus, c'est pas mal parce que regardez, quand je fais clic droit, ça me donne de l'XP. Donc c'est pas énormément d'XP, mais c'est déjà pas mal. Voilà, aïe. Merde. Allez, XP. Donc, ouais, ça c'est bon, j'ai déplacé. On va déplacer les armoires. J'ai plus de place, génial. Mettons dans le nouveau backpack, yeah! Hop. De nouveau plein. Alors, c'est tous les livres de Greg Tech que j'ai récupérés. Hein. C'est des petits livres qui donnent des informations sur le mode. C'est très utile. Bref, voilà. À part bourrer la place dans mon inventaire, ça fait pas grand-chose d'autre. Et en fait, comme un con, j'ai oublié que j'ai pas d'endroit où mettre les objets. Donc on va déjà mettre les petites armoires. Oh, c'est mignon.
Et les disquettes, je les ai trouvées dans des donjons. Comme le Portal Gun, je l'ai aussi trouvé dans le donjon. Je sais plus si c'était dans l'épisode précédent que j'avais trouvé. Non, il me semble pas. Donc. Poum. 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 Il y a trop de livres à mettre, c'est le bordel. Voilà, c'est rangé. Par contre, maintenant, il faut mettre ces buissons qu'on va laisser dans un coffre, sûrement. Ouh. Ah. Alors, on va pouvoir transformer un coffre en fer. Mince, j'ai plus ma table de craft. Et meule. On va faire deux coffres en fer plutôt. Ouais. Comme ça. Pouf. J'aime bien la TP qui bug complètement. Louloulou. Deux coffres en fer. Oh yeah. Du coup, on va pouvoir mettre tout ça là-dedans. Est-ce qu'ils sont cons? Bon, on a déjà. Ouais, 27 de verre. Alléluia! C'est trop génial. Ah, et ça rebug. À chaque fois qu'on passe ce portail et que ça doit charger des nouveaux chunks, ça prend pas mal de temps. Ben on va transférer ce coffre-là, c'est déjà plus simple. Par contre, avant de transférer, on va déjà tout mettre ça là-dedans. Voilà. Celui-là, vu qu'il est tout petit, on va le faire de toute façon. Ah, yes, il me reste de la place. Wouhou! Ah, mais j'aurais dû le transformer. Non. Il y a déjà des coffres en verre. Ça m'a pas TP? Bon. Si. Oh, merde. J'aime bien quand ça bug. C'est rigolo. Alors. On va faire un coffre spécial bordel, hein, comme dans chaque saison. Bon, là, exceptionnellement, c'est un coffre bordel tout court. Faut pas que je vide mon inventaire là-dedans, sinon j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Bon, par contre, ça, c'est un lago. On va quand même trier un minimum, parce que sinon, c'est juste impossible de s'y retrouver plus tard. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mes buissons. Ah, je les ai mis là. D'accord. Wow. Donc, poulet. Il me faut. Ah oui, juste regarder. Donc c'est soit la poudre de quartz. Ah non, mais si c'est de la poudre de quartz. Combien me donne un quartz? Si ça pouvait ne pas bugger. D'accord. Comment on fait de la poudre de quartz? Limite, le macérator, c'est le plus rentable, mais bon, je peux pas avoir le minerai comme ça. Ah, les enfoirés. Bon. C'est pas grave. Bon, les gens, on est de retour. Alors, je vais juste faire un baril, comme ça je vais pouvoir mettre mes objets dedans. Ce qui risque d'être un peu plus facile. Par contre, je crois que j'avais déjà pris le bois. Ouais, c'est bon. Merde. Il manque un de bois. Parce qu'ils sont cons. Mince, ça l'a mis de côté. Ouais, 2 secondes. Quand j'aurai réussi à le mettre à l'endroit. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Trop bien. Par contre, regardez, c'est quand même assez marrant. Ce message. Bref. C'est certifié, hein, donc voilà. Lol. Par contre, t'es où? Ah, t'es là.
Ouais, je laisse juste le portail. Ah oui, mais en fait, du coup, pour rentrer chez moi, ça va être un peu galère. Bah attends, je vais juste finir de transférer mes coffres et puis ensuite je te le prête. Ah, bug à la con. Allez, améliorons-le en or. Est-ce que ça va me faire crash? Non, génial. Ça, c'est fait. Tout le monde qui veut un turtle, c'est moi. Ah oui, c'est vrai, par rapport à l'épisode précédent, j'avais dit que j'avais fait... Enfin, que j'étais en train de faire une page pour retrouver tous les mods d'Usinacraft qui étaient installés bah, sur Usinacraft et que vous pourrez télécharger... Enfin, que vous pouvez télécharger tous les mods dessus. Et ben maintenant, cette page existe et vous pouvez aller la retrouver sur le site sous l'onglet Autres, normalement, si je me souviens bien. Et vous pouvez télécharger les mods directement depuis là. Pour ceux qui ont une version craquée. Après, je vous laisse installer, c'est pas mon problème. Parfait. Comme ça, on gagne pas mal de place. Comme ça, je peux mettre là-haut. Hop. Et c'est tout beau, tout propre. Bon, maintenant, le verre, je pense qu'il a fini de cuire. Ouais, presque. On va le mettre là-dedans en attendant. Juste un truc, parce que, en fait, oui, il y avait des souliers que Loussin m'en avait passé, parce que j'avais aussi... Enfin, il avait fait une paire en trop, et le problème, c'est que, bah, j'ai que les pieds. Donc, du coup, je vais essayer de me faire le reste de l'armure. C'est pour ça qu'on va se mettre à faire déjà le chapeau. Donc, vu que c'est qu'avec des objets d'industrie grave, pardon, ça va être assez facile. Le seul problème, c'est que vous voyez, faut faire des... Avec les circuits, on fait soit à 100% redstone, ah, il est de retour, coucou. Ou alors, on peut faire avec des câbles, et le problème, c'est qu'avec les câbles, bah, du coup, je peux te passer mon portal gun. Cadeau, voilà. Avec les câbles, on peut pas crafter le rubber. Donc pourquoi on peut pas crafter le rubber? Je vais vous montrer. Parce qu'il faut faire un extractor, ou alors passer par une scrapbox avec un peu, enfin beaucoup de chance, ou alors par une industrielle centrifuge. Et le problème, c'est que l'extractor, je vais vous montrer. Hop. Il a pas de craft. Ouais. Et pour faire un automatique extractor, il faut aussi des circuits électroniques et tout et tout. Mais le problème, c'est que justement, ça marche pas sur la Lune, mais pas le Soleil. Ah non, ça marche sur la Lune, mais pas le Soleil. Ouais, bah ça, c'est un peu normal, non? Donc, bah, on peut faire quand même ça, enfin les circuits électroniques avec que de la redstone. Enfin, en tout cas, on m'a dit que ça fonctionnait. Après, j'ai pas essayé, donc du coup je vais voir si ça fonctionne. Par contre, est-ce que c'est du refined iron? Oui, bah ça je pense bien. Oui, on peut. D'accord, merci. Que fait-il? Oh, un bloc de sable, c'est gentil. Enfin, du coup, je peux déjà préparer la redstone, mais bah, on va voir si je peux déjà faire les circuits électroniques. Si je peux pas les faire, bah, on va essayer avec le squeezing extractor. Donc, c'est un autre truc qui fonctionne. Comment dire? Ça fonctionne à vapeur. Donc, pour réussir à faire de la vapeur, il nous faut un small coil builder et c'est à peu près la même chose. C'est un petit peu plus, enfin, plus pratique dans le sens où ça utilise pas d'énergie parce qu'il faut juste cuire du charbon. Mais vu que j'ai pas mal de charbon, limite je peux me permettre ça, enfin, mais pas mal de charbon. Pour deux Ender Pearls, je veux bien te sucer ta glace. Lol. Ah mince, mon marteau. Mon marteau. J'ai besoin de mon marteau. Voilà. Donc. Ah non, c'est vrai, c'était comme ça. On va en faire deux d'un coup. Et est-ce que si je l'entoure de redstone? Ah oui, ça fonctionne. Ah bah du coup c'est encore bien plus économique qu'avant. C'est génial. Merci les bugs. Ouais. Lol. Par contre du coup c'est là où tout se décide. Est-ce que je fais avec à la vapeur ou alors est-ce que je fais avec l'énergie de base? Vapeur. Ouais, ça serait une révolution. Mais bon, le problème c'est qu'il faut des... Ah non, on peut faire avec des pistons basiques. Mais ils font des bronze plates et j'ai pas de lingots de bronze. Ah non, mais on peut en faire. Oh, d'accord, c'est easy.
C'est marrant de faire chier Jojo quand il filme. Je confirme. J'en ai si tu veux. Non mais c'est bon, je peux en faire. De toute façon, j'ai pas mal de thym et une chier de cuivre. Donc du coup, c'est bon. Mais bon, bah, puisqu'il propose à la vapeur, on va faire à la vapeur. Par contre, bloc de machine. Bronze wrench. D'accord. Donc, on va faire la base. Déjà. Piston. Il en faut deux. Tant. Deux putains de pistons et de la cobblestone, ça c'est bon. Du bois, j'ai, c'est bon. Par contre, la table de craft, ça va pas être possible si elle est tout le temps là-bas au coin. Je vais la mettre ici. Ah, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il fait encore? Quel enfoiré. Bon bah du coup elle est bien éclairée ma base. Ah, je me vengerai, ne t'inquiète pas. Donc, ouais, non. Bronze. Qu'est-ce qu'on fait? Machine box. Non, mais il y a tellement de craft possible, c'est assez chiant. Bon, on va faire du bronze, hein, voilà. On va pas se faire chier. Pouf. Ah, mais ça en fait que. Oh, l'arnaque! Bon, moi je me suis fait niquer, c'est pas grave. Donc, on a besoin de ça, plus des bronze plates, je pense que ça se fait la même chose que... Ouais. J'en aurais pas assez, génial. Il en faut combien encore? Une! Et une steel rod. Ah non. Ouais, d'accord, il me faut une clé. La clé, comment se fait-elle? Juste avec des lingots. Génial! Bon bah du coup adieu mon cuivre, hein. Enfin mon étain je veux dire. Génial, tout ça pour 27 lingots. C'est triste. Wow. Wow. Je suis de retour après un méga crash, c'était cool. Bon, alors du coup... la machine, on peut la crafter? Non, d'accord. Alors on va faire à la main, c'est génial. Hop, les deux pistons. Et la clé que j'ai pas, mince. Ouais, squeezing extractor, c'est génial. Alors, on va faire un coin machine par là. Attendez. Un turtle avec une pipe en or et un moteur. Un turtle et un moteur. Non, c'est bon. Donc, maintenant, le truc, c'est que ça fonctionne pas tout seul, hein, donc il faut de l'énergie. Il nous faut du steam extractor... ah non, pardon, qu'est-ce que je dis? De la vapeur. Donc, du coup, ce qu'il nous faut... C'est un coal boiler. Voilà, merci. C'est ce truc-là. On va faire le small, hein, parce que le height, il est hyper dur à faire. Crève, salope. Oh, il a droppé une carotte. Ouais, trop bien. Un zombie qui droppe une carotte. Bref. Donc, small coil boiler. Il faut encore des bronze plates. Sniff. Il me donne de la laine comme ça. D'accord.
Alors, 2 secondes. Petite affaire de marchandises. Voilà. Et je retourne en ma maison. Ah oui, le problème, c'est que justement. Attends, elle a pris ses fils au moins. Ah oui, c'est bon. Bon. On devra juste retourner à pied, vu que j'ai pas encore fait mon nouveau slash set home là-bas. Doum, 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 de quoi? Bon, je vais juste éclairer un peu le chemin. Me faire agresser par quoi? Non, le vilain. Je me fais poursuivre par un pédobère, à l'aide! D'accord. Alors, attends 2 secondes. Je me mets juste dans la base. Ah ben ça, non, il a encore crash, c'est normal. Donc le small boiler, il nous faut des briques. Et des briques, j'ai de la clay normalement. Quelque part là-dedans. J'ai bien dit normalement. Me semblait que j'en avais pris une pété. Ou alors j'en ai plus. Bon. D'accord, c'est pas grave. Ah oui, bah en fait, c'est vrai. On va faire l'armure peut-être. Comme un con, j'ai arrêté le craft de l'armure en plein milieu. Donc il doit rester des lingots. Ouais, une chier de lingots. Ouf, le casque. Ça, c'est fait. Donc oui, maintenant, bah, du coup, le problème, c'est que le chapeau, il apparaît pas. Hein. Si on fait par exemple la couronne, ça vient par-dessus. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon. Du coup, voilà. Je préfère avoir un bon truc que ça. Enfin, ouais, une bonne armure plutôt qu'un joli chapeau. C'est un petit peu plus pratique. Donc, il nous faut encore. Quatre de ces trucs. Enfin, il me semble. Là, il en faut deux. Là, il en faut deux aussi. Donc, oui, bah, il en faut quatre. Juste assez en la veste en le pantalon. Voilà, l'armure complète. Bon, le sac, ma foi, je dois l'enlever, hein. On va le garder dans l'inventaire. Ça, on le met là parce qu'on l'utilise pas souvent. Ah ouais, mais par contre, je peux plus ranger mon inventaire du coup. Génial. Bon. Ça, il nous faut une émeraude. Facile. Qu'est-ce que tu fais? Non, arrête ça. De quoi? Donc, il nous faut. Regarde la vitesse. Ouais. Cheaté! Donc, pour faire une. Bloc de machine. Génial la traduction. Oh, du rubber. Ah oui, bah carrément 64. Il est fou, lui. Merci! Aïe, oui bon. En même temps, faudrait que je protège un peu la zone parce que putain là, je me fais attaquer par des zombies de partout, ça devient un peu casse-couille. Nouveau hat. Lol. Des écouteurs, t'as trop le swag. Donc. Bloc de machine. Ouais. Bon, moi je peux dire adieu à mon fer, hein. Sniff. Gâteau. Mangez le gâteau. Énorme. Bon, je reviens dès que j'ai les lingots. C'est bon, les gens, j'ai mis 8 plates. Donc, il manque plus qu'à faire ça. Hop. Un circuit électronique. Court comme un malade dans le bloc. Lol. De la redstone. Pouf, voilà. Ensuite, l'émeraude que j'avais eue. Et encore heureux que j'ai réussi à en trouver un. Ah, tiens, un slime bleu.
Génial. À savoir que oui, il y a des îles volantes là en-dessus, donc il se peut qu'il y ait des slimes pas loin. C'est tout à fait normal. Oh yeah! Si, si, la famille. Donc, oula, par contre ça bug comme pas possible. Ok, donc ce que je disais avant que je crash, c'est j'ouvre cette chose, je clique là-dessus, et du coup, qu'est-ce qu'il me faut? Juste au moins pour pouvoir voler. Jetpack, Iron Thruster, et des ailes, je pense. Into Forum. Ouais, ce qu'il me faut, par contre, c'est aussi un autre truc, c'est ce Fist. Ça, Power Fist. D'accord, donc ça coûte cher. Sniff. Hop. Bah, logiquement, il faut en faire 3. Un stack, ça va pas suffire. Si, c'est bon. Largement, en fait. Et du coup. Ouais, Power Fist, sauf qu'il n'y a rien dessus, donc c'est nul pour l'instant. Le Power Fist, on va d'abord lui installer Pickaxe, qu'est-ce qu'il faut? 3 lingots de fer et un solénoïde. Donc, on va faire plus simple. Comment ça s'appelle? Power Suit, non. Ouais, j'ai trouvé. Donc, c'est ça, solénoïde. Oh non, mais ils sont méchants. Ils veulent me ruiner. Y a pas un autre moyen de la craft? Non. Bon. Au moins juste pour ça, comme ça ce sera déjà pas mal. Et deux câbles en or, d'accord. Bon. L'or, c'est pas ce que je manque, donc on s'en fout. Et on peut pas les crafter comme ça. Donc, comment on fait un câble en or? Et ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Oh, les enfoirés. Bon. Bah, je crois qu'on va faire la technique un peu de salopio. J'ai pas trop le choix de toute façon. Ça marche même pas, mais putain, mais c'est nul! Comment on fait ce truc? Refined Iron Plate. C'est parce que c'est pas du Refined Iron en dessous, d'accord. Je n'ai rien dit. Coucou. D'accord, donc. Une gold plate. Hop. Si j'utilise ça. Oui, 4 câbles en or, c'est trop génial. Use left 59. D'accord. Qu'a-t-il dans la main? Un truc de malade. Oh. Solénoïde. Oh, merci. Merci beaucoup. Donc, du coup, je peux déjà installer la pioche. Ah, mince. Trois lingots de fer. Installé. Overclock. Ah oui, mais du coup, il me faudrait de l'énergie dans mon armure, en fait. Parce que ça ne mine pas! Oui! Trop bien! Bon, bah, on va déjà installer une bonne batterie. Non, bah, d'accord, on va installer une maison. Qu'est-ce que je dis, une maison? Oh, j'ai vu le message, ça m'a déconcentré. Donc, ça, c'est plutôt facile. C'est déjà plus difficile, mais ça me fait chier de crafter une batterie, donc du coup on va faire ça. Et du coup, ah non, c'est vrai, c'est comme ça. Yeah! Installé. Ici de tiers. On va mettre ça. Ah oui, mais 3 kilos. Ah ouais, du coup, ça fait que... Ah non, 3. Peut-être un petit peu augmenté jusqu'à 3 kilos. Voilà. Et du coup,
Ça marche. Oui, mais par contre l'énergie, elle redescend. C'est pas grave, limite. Mais au moins, quand je bouge, il me semble que ça descend. Non. J'ai rien dit. Allusion. De faux bad box et générateur. Pour recharger? Ou alors pour juste stocker l'énergie? En attendant, on va juste ajouter un autre truc à la main, si je peux. Diamond Drill. D'accord, bon, il me reste un solénoïde, et bon, du coup, comme ça, on va l'ajouter, hein. Ça m'énerve comme ça, bug à chaque fois. Boum, voilà. Génial. Bon. Non, ça va pas là. Voilà. Et bon, là j'ai déjà la base au moins. Au pire, après le reste de l'armure, on s'en fout un peu. Par contre, énergie, press shift forward. Ouais. D'accord. Je pense qu'il me faudra autre chose pour le. Pour faire voler. Ouais. J'essaierai de faire ça une fois, un jour, quand je serai. Non, je déconne. Doum, doum, doum. Bon, bah alors du coup, on va pouvoir faire notre autre item. Enfin, sauf si j'ai pas. Non, j'en ai pas. Bon, bah alors je vais aller en chercher et je reviens. Donc c'est bon, j'ai enfin réussi à retrouver de la claie et j'ai un mouton même dans ma base, c'est génial. Ah, donc c'est en train de cuire. Ce qu'on va faire en attendant. C'est pas ça que je voulais faire, pardon. C'était le boiler. Donc, il faut ça. Putain, il y a un zombie. Avec une armure en or. Et mon épée qui se pète, je sais pas combien de fois. C'est génial. Ce bug est assez bizarre d'ailleurs. Oh, j'ai même eu l'armure, c'est génial. Et j'ai de nouveau eu mon épée, c'est encore mieux. Épée indestructible. Waouh. Bon. On peut déjà crafter. Les bronze plates. J'en ai une et il me faut encore 4. Ouais. Plus après la clé. Donc, la clé. Un four. Enfin, non, 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 on va faire comme ça, on va prendre ce four-là vu qu'il va nous servir à rien. Et bah les briques quoi. D'accord, donc comment est-ce qu'on fait les briques? Ah non, c'est vrai, c'est comme ça. Ah bah du coup je peux déjà le faire. Ouais. Elle est où ma plate? Ah, il m'en manque une. Hop, là, et la clé, small coil boiler, ah putain mais vas-y, arrêtez de m'emmerder, la hache ça fait bobo. Donc, le coil boiler c'est assez simple à comprendre, hein. Je vais le mettre assez loin pour faire fonctionner le reste des machines. Donc il nous faut normalement de l'eau plus encore du charbon, donc le charbon ça va, j'en ai une quantité normale. Donc là ça cuit, mais je sais pas s'il faut de l'eau. Normalement je sais. Oui. Dis-moi tout. En attendant, il me faut. Oui, bah ce qu'il m'a offert des cactus, c'est vrai. Il est gentil, il m'offre plein de trucs. Ces zombies commencent à m'énerver, mais à un point. Ah, on va pouvoir faire des tuyaux justement. Donc le verre que j'ai pris avant là.
On aura besoin de tuyaux pour pouvoir transférer le liquide. Donc vu que, comment c'était déjà, thermal expansion n'est pas installé, on va pas pouvoir faire des liquiducts, si ce serait pas mal, mais malheureusement il n'est pas installé, donc je peux pas. Par contre, on va devoir utiliser les tuyaux basiques de Boilcraft, donc ben voilà quoi. Et le truc c'est que ça fonctionne avec ben, ça, et il nous faut faire extraire la vapeur par un tuyau. C'est bon, je suis de retour. Donc j'ai été faire une petite cueillette de cactus au désert, hein, donc comme ça j'ai de la réserve. Bon, je vais quand même en planter quelques-uns. Quelqu'un dans une enclume. J'ai pas d'enclume. Et j'ai plus de sable. Merde. Oh bah il y en a là-bas. Voili voilou. Non, ça fallait pas casser. Oh bah, de toute façon, il me reste que 2 cubes de sable, donc je vais pas pouvoir remplacer plus. Alors, je suis dans tes vidéos, t'as le droit à un minimum de remerciements. Oui, c'est vrai. Donc, on va pouvoir finir ce que j'avais envie de faire avant. Il me faut du verre. Ouais, juste, hein, ça devrait aller. Donc, juste pour la vitesse, on va prendre de l'or. Et c'est vrai, c'est juste, il faut de lingots d'or. Et le plan, en fait, c'est de mettre les tuyaux par en dessous. Et de faire que ça se connecte à celui-là. Par contre, là, il est en train de chauffer pour rien. Et ça nique mon charbon, ça me fait un peu chier. Donc il faut mettre de l'eau là. Ah oui, et ça remplit. D'accord. Ça a explosé, c'est trop cool. Ok, donc je suis de retour. Donc en fait, on m'a expliqué comme quoi c'était parce que j'ai mis l'eau après le charbon et que du coup ça refroidit trop vite et que ça fait tout péter. Donc ouais, effectivement, c'est dangereux. Donc bah on va faire un petit système plutôt cool. Putain mais ces squelettes, enfin ces monstres en principal. Voilà. Non mais y a quand même pas. Putain mais l'armée de squelettes autour de ma maison quoi, c'est chiant. Ouais, un nouveau chapeau, trop bien. Le chapeau trop nul, c'est... Bon. Donc, une pompe. Est-ce que c'est compliqué à faire? Mineur. Non, pas du tout. Ah oui, la pioche en fer. Il me faut mon tournevis. Qui est là. Faudra prendre le stack de fer, hein, en mode on s'en bat les couilles. Voilà. Pioche en fer, ensuite engrenage en fer. Et puis c'est bon. Voilà. Maintenant, le seul problème, c'est qu'il nous faut... Non, ça c'est bon, mais il nous faut des pistons pour pouvoir alimenter tout ça. Enfin, des pistons, des réservoirs. Bon, qu'est-ce que je dis des réservoirs? Putain, je suis pas concentré, je dis de la merde. Il nous faut des engines, voilà. Donc ça c'est bon. Par contre, maintenant, il nous faut plein de tuyaux en or. Ah, ça devrait suffire. Normalement, ça devrait faire la longueur jusqu'ici, j'espère. Donc, la pompe, on va la poser quelque part.
ici, là. Si c'est pas les squelettes, c'est les zombies. Donc ça, ça m'emmerde, mais un point. Et il me manque un tuyau. Oh, bordel. La micro-gestion. Toi, le zombie, tu vas te faire foutre. Voilà. Ça, c'est fait. Oh, puis maintenant, t'as des bébés zombies. Mais c'est génial. Limite, ils te font plus de dégâts que les grands. Énorme. Si, si, en haut, dans un baril. Oh, mais ces zombies, mais bordel. Voilà. Boum. Maintenant, un piston, enfin, un engine. Par ici. Deux. Une selle. Ouais, ça. Une armure pour cheval. Sauf que j'ai pas de cheval. Et un truc à potion. What? Lol. Sauf que je ne fais jamais de potions. Je suis vraiment trop nul pour les potions. Il faut juste un coffre, là. Et on va faire un coffre un peu pour tout ce qui est outils de construction, etc. Voilà. Ah, juste bobo la tête. Donc, un engine. Ouais, alors en fait, vous savez quoi? Vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, je vais vous réserver ça pour le prochain épisode. Donc, bah, c'était l'épisode de Disneycraft. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde! C'était le mot de la fin, voilà. D'accord, ça devait être un clicker. Je l'ai pas vu et je suis en vie en plus. Sauvez les diamants!